Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le Béninois. Comme on le dit dans notre langue locale, Zoumeito, non d'alo atibisé siou de Zoumeon, c'est-à-dire le promeneur, c'est-à-dire quelqu'un qui se promène dans la brousse, dans son forêt, ne peut pas, ou bien ne peuvent pas arriver à toucher tous les arbres dont ils voient. C'est-à-dire, vous luttez, mais vous ne pouvez jamais arriver à la fin. Bien avant ça, je vais vous donner, je vais vous parler de quelque chose, pardon. De l'anti-bal et aussi en même temps une protection rodose que si vous avez cette chose dont j'ai à vous présenter au cours d'une réunion ou bien vous voulez aller au village, on dit qu'il y a les sorciers, il y a les sorciers, il y a les gens de mauvaise oeil. La présence de cette chose dont j'ai à vous présenter aucun sorcier malveillant, un sorcier, quelqu'un qui a une connaissance de la sorcellerie et puis il l'utilise pour faire du mal aux individus, à ses frères, à ses confrères. Un, lorsqu'il vous voit, il va fuir. Deux, il ne peut pas rester assis à côté de vous. Toi, la présence de cette chose, aucun sorcier ne peut pas dormir dans votre maison et être à l'aise. Je lui ai tout juste donné le nom simplement talisman au lieu d'amulette. Elle est puissante. C'est un talisman ou amulette, j'allais dire. Lorsque vous vous retrouvez dans un lieu de braquage où vous êtes un vigile ou un homme armé et quand on brandit une arme sur vous, cela ne répondra pas. Comme on le dit, le malgrouillard qui lève la tête sur le mur ne peut jamais appeler le nom de son grand-père. On va bel et bien brandir le fusil sur vous, mais cela ne répondra pas. Mais, de grâce, je n'ai pas préparé cette astuce pour mes confrères qui font du mal aux armes. Je ne l'ai pas préparé à ce que quelqu'un les prenne pour aller, excusez-moi beaucoup pour le thème, pour aller braquer ou bien voler. À ce qu'ils savent qu'on ne peut pas les tirer dessus. Lorsque vous péchez contre la nature, vous aurez des conséquences. Ceci, je l'ai préparé uniquement pour trois objectifs. Un, protection contre la haute sorcellerie. Deux, contre l'anti-balle. Je vous dis bien, lorsqu'on brandit l'arbre, cela ne répondra pas. Raison pour laquelle, lorsque vous portez ce chêne, c'est un chêne, ça reste en bas de votre habit. Regardez. L'anti-bal et aucun sorcier aussi ne peut pas rester auprès de vous. Wallahi, si je manque Dieu, que Dieu me punisse. Elle a un pouvoir extrêmement puissant. C'est comme lumière cachée. Ce n'est pas que ces gens-là que vous mettez dehors, mais moi je préfère que ces genres de trucs, ça reste caché. Personne ne saura. Mais quand l'individu va oser, là il verra de quoi vous êtes capable. Voilà. Vous êtes
C'est contre toute attaque sorcière. Je dis contre toute attaque sorcière. Si vous voulez contacter Berger Raphaël, je suis toujours béni. C'est le plus 229, le 95, 26, 41, 46. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à vous donner comme encore une protection? Vous voyez, si vous êtes dans un village, ou bien vous êtes en ville, essayez de vous approcher de votre village. Vous voyez, dans un village, il peut y avoir plusieurs cormines. Comme quoi? Le village de tel, le village de tel, le village de tel. Mais, ce que j'ai à vous dire, c'est le secret des esprits des morts que je vous lis. Celui qui ne connaît pas ne reste pas dedans. Et lorsque vous donnez, vous connaissez, vous donnez, vous serez fier. I am a friend in my heart. Inside my heart, I am a friend. Je donne avec un cœur. Vous allez chercher 12 différentes sortes de villages. Je dis 12. Vous pouvez commander à des gens comme vous, mais vous pouvez aussi chercher. Je dis bien 12. Ici, maintenant, je peux dire, par exemple, au Bénin. Je rentre à la porte nouveau. On dit Adjadje. Et on dit, bon, je me rappelle, on va à Tako. On va à Sakit. Bon, je ne maîtrise pas tellement Porte-Nouveau pour dire, je peux dire à Alada. Il y a Alada, il y a Ayou, il y a Tofo, il y a Basouba, quelque chose de genre. Du... Quand nous partons à Abomey, on dit il y a Boykon, il y a Agboumé, il y a ici. Vous cherchez, ça pourrait être le même village, mais dans les différentes sortes de locaux de nom. Vous entrez dans des arbres et dans les forêts, vous allez chercher l'écorce de n'importe quel arbre. Je dis l'écorce, vous pouvez même prendre le couteau, vous coupez une, ça va déjà. Mais vous cherchez de cette localité différentes sortes de 12. Je dis bien de 12. Je n'ai pas dit plantes. D'écorce de n'importe quel arbre. Vous quittez tel village, vous irez tel village. Il suffit tout simplement que le nom de ce village pourrait soit différent de l'autre nom. Vous comprenez? Après avoir cherché 12, cette écorce, vous pouvez utiliser ça par plusieurs manières. C'est-à-dire que, arrivé à la maison, lorsque vous avez tout regroupé, vous pouvez prendre un peu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez ajouter pour préparer? Vous allez chercher une chouette. Je dis un chouette. Allez sur Google, vous allez écrire chouette, vous allez voir. C'est un oiseau du hibou qui est tellement joli. Vous cherchez un chouette. Je dis bien, vous cherchez un chouette. Vous allez chercher maintenant quelque chose qu'on appelle l'aigre. Et je crois que chez nous, on appelle gain. Vous cherchez l'aigre. Trouvez la tête de l'aigre. Un caméléon. Une vipère, la tête de vipère, une tête de Nadja, c'est fini. Les écorces que vous avez trouvées, coupez un peu et ajoutez. Mais la chouette en question ne doit pas être salée. Si les autres aussi ne sont pas salées aussi, c'est bon. Alors, regroupez toutes ces choses-là et calcinez. Calcinez. Après avoir calciné, il y en a deux objectifs. Si vous voulez, vous pouvez les cicatriser. 7 ici, 7 au dos. Après cela, mélangez cette composition. Vous mélangez cette composition dans le savon, dans un savon que vous utilisez. Savon noir, endogène, africain de chez nous. Le savon noir en question. Maintenant,
Si vous voulez, ça n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire que vous allez cicatriser, mais si plus vous avez encore cicatrisé, vous cicatrisez pour tout, cicatrifiez pour tous vos enfants. La cicatrification pour vous, tous vos enfants. 7, 7, 7 aux quatre côtés. Le savon ne reste pas dans, dans un calebasse, non. Ça reste dans un jardin. Et ce savon se douche dans un mois. Vous pouvez toucher 7 fois dans un mois. C'est à vous de voir le jour que vous voulez. Si quelqu'un est vraiment un charlatan, un marabout, un féticheur, et si vraiment il voyage par tout le monde, qu'il ose, qu'il tente pour dire qu'il va vous envoûter ou bien qu'il va vous faire quelque chose. S'il n'y a pas un Dieu pour les Africains, s'il n'y a pas un pouvoir pour les Africains, c'est la protection. Et ce qui est encore bon dedans, vous savez, l'évolution est dedans. Si vous aimez quelqu'un, c'est à cette personne que vous allez donner ce savon. Alors, voilà, ça, c'est contre les balles. Lorsqu'on vous tire, les pistolets ne répondront jamais. Et lorsque vous avez cette chose, si la personne est insouciante, il ne peut pas rester à côté de vous, il ne peut pas vous fixer, il ne peut pas vous regarder dans les yeux, jamais. Elle est disponible à tout le monde. Berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Prince 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.